On voit la base. Fais vite. Bon, allez, vas-y. Mets casse. Allez, vas-y. Passe pour le ballon. Passe pour le ballon. Non, c'est pas la balle là. Qu'est-ce qu'il a fait? Dépêche-toi. Par là, par là. Non, par ici. Attention, le gardien a bougé. Fais la. Qu'est-ce que tu fais? Casse plus. Casse plus. Casse plus. Casse plus. Allez. Okay. Par là. Doucement, doucement, ne jette pas le ballon. Oui, c'est bon, calme-toi. C'est ça, c'est ça. Je suis là, je suis là. Hey, passe pour le ballon. Attention, je suis là. Attention, attention. Ah, il était là. Attention. Non, mais il poussait là. Il est nul. À moi maintenant. Non, mais tu peux pas jouer doucement. Donne le ballon. Ah, mais donne-moi le ballon, qu'est-ce que tu attends? Oui, mais pas là, là, je suis là. J'attends, je n'ai pas le ballon. Ah, mais personnel, c'est pas vrai. Oui, c'est bien, je suis là. Mais donne le ballon. Non, attends, tu as ta balle pour toi. Ah, c'est gars, je ne jouerai plus avec lui. Mais emmène la balle par ici. Oui, oui. Si tu jettes le ballon, tu vas l'acheter. Attention, non, oui, où là? Prends le ballon ici, allez. Je suis comme Messi aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur notre terrain, celle-là? Idiote. C'est un passage pour toi ici. Vous m'appelez comment? Je laisse là. Vos pères, vos mères. Idiote. Elle est belle, celle-là. Arrête pas, en plus, c'est la question de la balle. Vous allez voir. Idiote. Prends notre balle là. Idiote. Prends la balle là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu nous rends notre balle là. Amène le ballon ici. Mais il joue à quoi là? Elle est poignard. T'as pas le droit. Ramène notre ballon. Elle veut passer le ballon. Attention, mais c'est quoi ce comportement? Tu as foutu notre ballon en l'air. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas nous payer notre balle. Mais elle est malade. Idiote. Tu vas nous payer notre balle. Et elle se prend à nous maintenant. Allons, fuyons vite. C'est quoi ces attitudes? Non, mais elle est vraiment malade, je te dis. Elle est normale, cette femme. Regardez ses yeux. Tu la vois dans son accoutrement, là? Oui. Je comprends pourquoi tu es la folle de ces villages. Ah, c'est pas vrai. Il est parti. Mm-hmm.
Hey, fraîchement extrait. Magique en extraction. Papa, tu es à la maison, je n'en crois pas mes yeux. Ada, pourquoi tu es revenu? Papa, j'ai fini le service. De grâce, retourne continuer le service. Tu peux partir. Pourquoi? Je ne veux pas de problème, pas du tout. Papa, je ne crée plus de troubles, j'ai changé, crois-moi. Qui va le croire? Moi, crois que tu as changé, c'est faux. Retourne. Papa, je te dis la vérité, j'ai changé. Écoute, à ton absence, je suis plus en paix. Tu es encore revenu pour me pourrir la vie. Oh. Retourne, s'il te plaît. Papa, je suis une nouvelle personne. Ok, papa. Sur ma parole d'honneur, je ne causerai pas de problème du tout. Laisse-moi rester, je te le promets. Ok, d'accord, vas-y. Tu peux entrer dans ce cas. Vas-y. Merci, papa. Je sais que tu es super gentil. Qu'est-ce que tu manges là? Tu vois ce que je viens de dire? Hein? Tu vois le morceau que tu as pris? La tête du poisson destinée aux vieillards, aux plus âgés. Hein? Papa, laisse tomber. Oublie cette histoire d'ancien de vieillard que tu utilisais pour dissuader des gens comme nous. À supposer que cette tête de poisson n'était pas là. Est-ce que les anciens n'allaient pas manger les autres parties du poisson, hein? C'est ta justification, ça. C'est tout cela qui prouve que tu es une tapageuse. Tu ne peux pas t'excuser au moins. Tu sais quoi, papa? Fous le camp. Si tu savais ce que je t'avais rapporté, tu n'allais pas faire de litige au sujet tu de ce poisson. Tu peux t'en aller avec ce que tu m'as apporté. T'en fais pas, tu vas aimer. C'est quelle fille qui n'a que des problèmes pour son père. Hey. Tu vas aimer ce truc, papa. Hein? Merci pour ce poisson. Quand aurais-je la vraie paix? C'est quoi ça? C'est quelle injure, ça? Après tout ce parcours, c'est des biscuits que tu apportes. Ah, regarde-moi ça. Hey! Cette fille ne va jamais arrêter d'insulter les anciens. Quelle foutaise! Hey! Viens me débarrasser de ce truc rapidement! Hein? Hein? Et ça alors? C'est à moi que tu apportes du sucre là? Ada! Hein? Hé, hey, comment ça va? Attends, qu'est-ce que tu as dans ce bidon? Quoi? Ce n'est pas mon vin de palme? Vin de palme? Oh, j'ai même oublié que je portais un bidon sur l'épaule. Non, c'est de l'eau. Vraiment, de l'eau? L'eau de source. Hein? Tu es sûr que ce n'est pas mon vin qui est là? Tu es sûr? Est-ce que tu as vu une étiquette sur cette bouteille? D'ailleurs, dis-moi, depuis quand cette piste-là mène au ruisseau? Mon ami, je dois préparer pour mon père. Tu n'iras nulle part, viens ici. Écoute-moi bien, je ne vais pas te laisser partir avec mon vin. Mon ami, je dis que je n'ai pas pris ton vin de palme, puisque tu prétends avoir du vin de palme. Va donc vérifier, mon ami. Allons ensemble dans ce cas. Toi et moi? Oui, bien sûr. Là, je vois que tu cherches avec qui marcher. Fais gaffe, mon ami, ok? Hey, mon ami, fais attention. Il ne faut plus jamais m'indexer. Maintenant, écoute-moi. Si tu ne viens pas avec moi, tu m'attends ici. Le temps que j'aille vérifier, je si ce n'est pas mon vin qui est dans ta main. Je n'ai pas pris ton vin. Tu sais combien de fois j'ai souffert pour trouver ce vin, sans compter le nombre de palmiers que j'ai dû grimper? J'ai pas pris ton vin, tu comprends? Écoute-moi bien. Tu ne vas nulle part. N'essaie surtout pas de t'enfuir parce que je sais où je t'aurai. Mon ami, attends ici, je vais voir ça.
Ok, entendu. J'ai pas du tout pris ton vin de palme, ok? C'est pas moi qui l'ai pris. J'ai pas touché, tu comprends? Tu sais combien de fois j'ai souffert, mon ami? As-tu une idée du nombre de palmiers que j'ai dû grimper pour avoir ce vin et tu veux me raconter tout ceci? Regardez-le. Je t'attends. Tu veux que je t'attende, non? Eh ben oui, je t'attends. Je t'attends, d'accord? Cette femme, elle a osé voler mon vin. Hey, j'étais sûr, j'en étais sûr, je connais mon truc. Hey. Oh. Hey. Ouais, là, hey, j'étais bien. Tu vas voir ce que je vais j'étais... te faire. Tu à vas plus. Voir. Et merci pour le vin. Hein. Tu sais que t'es ma fleur. Oh, tu crois pas ou quoi? La grosse pierre a bloqué l'issue de la sortie. Hey. J'ai dit, la grosse pierre a bloqué bonjour, l'issue. Bonjour, papa. Que Kenel bloque ton issue. Ah, papa, arrête maintenant. Si jamais tu oses l'ouvrir encore, je te casse la tête. Vous vous rendez tous les deux compte? Hein? Comment une fille de cavalier de l'église catholique, catholique romaine, peut s'embrasser, pire encore s'amouracher d'un homme damné? Mais, pourquoi... mais papa, pourquoi tu fais ça? Je vais te casser la tête. Mais monsieur, assez parlé. Qu'est-ce qu'il y a assez? Pourquoi m'appelez-vous damné? C'est pas tu normal. Maudit. Si ce n'était pas à cause de votre fille, je... Que vas-tu faire? Tu vas te battre avec moi? Tu veux te battre avec moi? C'est ce que tu veux faire? Tu veux te battre avec moi? Hein? Hein? Ok, je vais m'occuper de vous plus tard. Je vais régler votre compte plus tard. Papa. Ma sœur Ada, t'es de retour. Bienvenue. La ferme, ok? C'est maintenant que tu me vois pour me souhaiter la bienvenue. Ma sœur, t'allais bien là. Qu'est-ce qui t'a poursuivi et t'a fait entrer avec cette allure? Ma sœur, oublie Mazikalou. Mazikalou est ennuyant. Il m'a poursuivi depuis la brousse en disant que j'ai piqué son vin de palme, pour lequel j'ai souffert. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, demande à ta fille. Bienvenue. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, c'est Mazikalou. Il me poursuit depuis. Il dit que j'ai pris son vin de palme. Un vin de palme pour lequel j'ai souffert. C'est du vin de palme? Oui, papa. Laisse-moi en prendre une gorgée. Papa. Apporte-le que j'en boive un peu. Papa, je le vends, hein. Je vends, mais je veux juste en donner un peu pour goûter. Si c'est du bon vin,
Je vais payer. Papa, c'est sucré, tu vas aimer. Va me chercher un verre. On va s'en tenir. Je crois bien que je ne vais plus boire ce truc. Vous allez payer, hein. C'est pas envoie gratuit. Envoie le verre. Hey. Papa. C'est une opportunité de boire encore du vin. Papa, papa. Papa sur la plage. Et le verre alors? Papa, voici le verre. Serre-moi. Papa, laisse-moi te faire goûter d'abord. Papa mystique. Ouais. Papa, c'est de la qualité, tu vas adorer. Ok, fais voir. Papa, c'est ok, mon c'est du bon vin. Je te l'avais dit. Sœur, tu aimes? Ah, il est très sucré, vin du cœur. Bonjour. Pas de salut. Non, pas salut. Ne me saluez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, stop. Oh. Où est-ce qu'elle est, votre voleuse de filles? Ne me regardez pas comme si j'étais mal éduqué. Comment oses-tu traiter mon enfant de la sorte? Ah, arrêtez ça. Ah. Vous buvez déjà mon vin? Vous avez déjà commencé à le boire? Ton vin? Votre fille a volé mon vin de palme et vous la défendez au lieu de moi. Mais elle, elle a volé le vin, ainsi que le bidon et tout le reste, même mon effort. Comme je viens de te le dire, ne traite pas ma fille de larron à cause d'un vin de palme. Votre fille est une voleuse. C'est parce qu'elle a pris ton vin que tu as osé venir parler à mon père de la sorte. Mais qui ressemble à un épouvantail? C'est toi le masque, ton grand-père masque, ta génération masque. C'est toi-même le masque. Si jamais tu me touches. Pourquoi tu parles comme ça, mon père? Votre fille, une voleuse. Et toi, tu es... Mazikalou, Mazikalou, ne parle pas comme ça à mon père. Ne parle plus à mon père de la sorte. Mazi, ne parle pas comme ne ça à mon père. Ça. Ne Ada, vous voyez, ne parle pas à mon père de la sorte. Je ne vais plus me lever, à moins que vous ne me donniez un coq blanc. Et toi, si tu ne veux pas te lever, vas-y, couche-toi. Ce que tu ne peux pas me tuer, malgré tout ce que tu vas faire. Malgré tout, tu ne pourras pas. Vous devez me payer un coq blanc pour que je me lève. N'essaie plus de parler à mon père. Sinon, je reste ici en train de dire que je vais vous savoir. D'ailleurs, je vais sur toi. Je toaste avec toi. Et plus tard, je vais toaster avec elle. Tout ça, c'est magnifique. Sœur, quoi? C'est un grand honneur que j'ai reçu aujourd'hui. Hey, cela a déclenché de l'envie de la part des gens de notre voisinage. Hey, vous vous imaginez? Je suis le premier cavalier nominé à Rome par Monseigneur le Pape lui-même. Et maintenant, j'ai produit une diplômée. Papa, ça c'est bien. En parlant de ce cadre, lorsque je revenais, moi, tu devais être là pour voir comment les gens me regardaient, papa. C'est pas du tout étonnant. Tu es la première diplômée d'ici. Je suis content de toi. Super enthousiaste. Écoutez, nous allons prendre une grande photo. Tous avec de jolis pagnes. Chisoba, papa, dépose ça tout de suite. Papa. Dépose cette viande. Dépose la viande, Chisoba. Hé, hey, Chisoba. Donc toi, tu ne peux pas t'empêcher de ne rien voler. Toi, tu as toujours volé quelque chose. Tu t'imagines? T'as de la chance que tu l'as vite déposé, petite voleuse. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de Bien dire? Bien sûr. Elle a raison de t'insulter puisque tu ne te respectes pas. Oh, grande sœur. Donc tu trouves qu'il est normal que ma petite sœur m'insulte? Pas de problème. Lorsque je vais commencer aussi, ne le prends pas en mal. Ça ne va pas se passer dans ma maison. Je t'avertis. Commence pas ça ici. Tu t'es vu? C'est quoi cette conduite? Regarde la taille du morceau, même pas un petit. Sans regarder où tu voulais le mettre. Et si on t'injectait du piment dans le corps? Ça ferait mal ou non? C'est quoi ce comportement? Hein? Arrête de te comporter ainsi. Arrête de te comporter ainsi. Hein? Lorsqu'il va bloquer toute ton entrée, comment pourras-tu déféquer alors? Hein? Revenons maintenant à notre jubilation. Papa. Que la fête continue, s'il vous plaît. Laisse-moi! Laisse-moi! Je vais leur massacrer! Calme-toi! Attends dans ce village! Hein? Pourquoi? Reste là! Calme-toi! Laisse-moi! Laisse-moi! C'est une femme! Tu vas la tuer! Tu vas tuer quelqu'un! Pardon! Quoi? Tu vas tuer quelqu'un? Laisse-moi l'assassiner! Tu vas tuer! Qui est cet Ada? Écoutez!
La façon dont vous me suppliez, tous les deux, vous me faites surchauffer. Laissez-moi la frapper. Je t'en supplie, calme-toi. Écoutez bien, c'est pas une femme dans ce village, pardon, ni un homme, ni même un esprit n'a le droit de combattre mon père, mon propre père. Mon fils. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pardon, calme-toi. Si jamais tu tues quelqu'un, la colère de Dieu va s'abattre sur nous. Qu'est-ce que vous dites là? Ça suffit. Pardon. Quelle mère? Attends, c'est une simple fille, j'ai dit. Je vais la battre. Je vais battre toute sa famille entière. Même si son père, ce vieux idiot sans mère, je vais le battre ici. Voilà, je vais tous les tabasser. Tous avec leurs copains ensemble. Leurs voisins. Je vais tuer tout le monde. N'y va pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-moi, mon fils. Ne fais pas ça. Ada, tu es morte. Tu l'as laissé partir. Vas-y toi-même. Vas-y, rattrape-le. Dépêche-toi, vas-y. C'est pas la peine. Oh. Hey. Ah! Oh! 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 Bonjour. Hé! Stop! Hé! Donc, Ada, t'as pas entendu parler de Odem? Odem, l'homme le plus fort de ce village. Hein? Ada, toi, tu as osé combattre mon père. Tu es folle. Hein? Si tu n'as rien à dire, laisse-moi passer, mon ami. Tu te fous de moi. Quitte-la. Tu crois que je suis en train de présenter tes malades? Tu as fait tomber mon sang. Pourquoi tu t'en es pris à mon père? Tu as fait tomber mon sang. Je vais te frapper. Je vais te tabasser. Tu l'as fait tomber. Tu as fait tomber mon sang. Attends, tu l'as fait tomber. Laisse-moi. Doucement. Fallait voir ce que je lui ai fait. Je l'ai soulevé comme ça. Hey. Je dis adieu, regarde Ada, ensuite, à terre. Le champion. Son père aussi est venu. Et ensuite, je l'ai frappé. Son copain est venu. Je l'ai boxé, ce gars. La famille toute entière est venue. Je les ai tous frappés. À gauche, je faisais ça. Amokan, Ayokan, ya. Leurs amis. Une fois arrivés, ils ont vu la colère dans mes yeux. Gauche, droite. Pardon. Pauvre vieillard, tu as envoyé ton fils pour me combattre, pas vrai? Je ne suis pas là pour discuter. Tout de même, je ne suis pas là pour me battre. Pire encore, je suis ici pour que vous remplaciez mon sceau, toi et ton fils. Sinon, tout ce que je trouverai dans cette maison, je vais le vendre et prendre l'argent pour remplacer mon sceau. J'attends mon sceau, Mati. Et que ça saute. Oh, Odom, viens. Sœur, elle est venue combattre encore. Papa, je cherche une ceinture, j'arrive. T'as vu ma ceinture? Tu cherches quoi? Une ceinture? Pas de problème, on ira la chercher ensemble. Tu es où? Hein? Montre-toi qu'on la cherche ensemble. Reviens là. T'as pas dit que tu cherches à me fouetter? Reviens là, t'as pas de coups. Viens te battre, espèce de loser. Où est-il? Hein? Par où est-ce qu'ils sont passés? Où sont-ils? Ces idiots! Vous voulez vous battre avec moi? Hein? Je vais voir ce qu'ils ont ici. Ça, c'est mon sceau. Bandidio, hein? Ça, c'est mon sceau. Vous n'êtes que des bons à rien. La prochaine fois que vous entendez parler de Ada, prenez garde. Vos pères ne vous ont pas bien procréé. Idiot, où sont-ils? Venez vous battre. Mon pote, détends-toi. Détends-toi. Tu t'enflammes à cause d'une histoire de fille. Arrête de te tracasser, c'est juste une fille. En fait, vous n'arrivez pas à me comprendre, les gars. Vous ne pouvez pas me comprendre, hein? Ada, peux-tu concevoir que cette fille guérit toute ma famille? Comme si nous étions des enfants, hein? Je t'avais prévenu. Je t'avais conseillé de rester loin de cette fille dès le moment que tu as mis le pied dans ce village. Mais t'as pas compris? On dirait que c'est ton petit nom d'Odum qui te donne des ailes. Relax, je te comprends. Je sais que vous ne voulez faire aucune contribution pour m'aider à sortir de ce problème. Johnny. Ouais. Pardon, j'ai besoin que vous m'aidiez, les gars. S'il vous plaît. En fait, vous voyez, cette fille ne va pas s'en tirer comme ça. Pour m'avoir humilié entièrement. Odum, le plus fort. Une minute, attends. J'espère que tu n'es pas en train de nous demander de t'aider à combattre Ada. C'est pas ça. Hein? Non. Pourquoi ça? Sois concret. Tu dis quoi? Allons-nous faire maintenant, puisque nous allons pas nous battre avec elle. Hein? Bon, qu'est-ce que tu suggères maintenant? Non, attendez. On ne peut pas se battre comme ça. On ne peut pas se battre contre les filles quand même. Oui, non. Pas ça. Non. Tu vois, il y a un truc qu'on va faire. On va la tacler. Voilà.
Tu comprends, non? Ok. Il faut qu'elle comprenne. Mon gars, a trouvé juste. Qualité. Ils ont eu le cran de faire ça. Attends-moi, je prends ma Bible, on s'en va. Ferme la porte. Ferme-la. Ma propre fille. Dans ma province. Papa, papa, papa. Avec l'influence que j'ai, ça ne marchera pas. Ils sont mis à trois. Vite, vite, allons. Odum, on n'aurait pas dû essayer ça. Cette fille est une Amazone. Qu'est-ce qu'elle est forte? Non. Elle n'a même pas peur du masque. Non, je vais m'occuper de son cas. C'est qui le monstre dans cette histoire? C'est toi le monstre? N'est-ce pas ça le monstre? Quel monstre? Écoute-moi, j'en ai marre de cette guerre, je t'assure, j'en ai marre. Laissez-moi en dehors de cette guerre. Hé, les gars, je ne dis plus qu'on doit le se battre. Tu dis quoi alors? On peut les criminer. Ouais. Comment? Comme... Mais comment? Écoutez. On va dire au roi et les anciens qu'elle s'est mutinée devant les masques. Et elle les a combattus. Vous voyez? C'est vrai. Toi, t'es un représentant de la garde à des masques. Ils vont la bannir de ce village. Non. Jamais. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, t'as oublié que les anciens ont dit qu'on ne doit pas faire sortir les masques sans l'avoir annoncé à la communauté. Oui. Sept. Ça va pas à la tête. Et si jamais ils apprennent? Et s'ils apprennent que nous avons fait sortir ce masque? Pour notre propre but, c'est nous qui serons bannis de ce village. Ça, c'est vrai. Et moi, j'aime ce village. Ne m'indexe pas comme ça. T'as pas peur du masque? Ce masque que je porte, t'as pas peur de lui? Vraiment? Ok, laissez tomber les gars. Et alors, comment allons-nous faire? Attends, je comprends pas moi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que tu fais? C'est nous ou c'est toi? Mais ce gars... Moi je m'en vais, je me casse d'ici, Là je suis plus à l'aise. Non, ça va. Je me tire aussi. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça? Non, j'en peux plus. On s'en fort. Reviens. Reviens pour ton masque. Reviens. Envoie-le. Oui, c'est ça. Au sanctuaire. Oui, c'est ça. Moi seul. Attends. Revenez. Mais revenez. Attends-moi. Arrêtez ça. Revenez. Ne me laissez pas seul. Arrêtez ça. Mais qui es-tu toi? D'où sort-il? Oh ma robe! Oh, je jure que je lui ferai la peau! Bon sang de bon Dieu! Comment ai-je pu faire ça à un ange? Mon Dieu, regardez ça! Pourquoi
est-ce que toi, tu m'as éclaboussé? Hé hey! Désolé. On ne t'a pas dit qu'on ne verse pas de l'eau sur Chizoba? C'était un accident. Tu ne sais pas que je suis du sel? J'étais un peu distrait. Ah! En fait, je ne l'ai pas du tout fait. Ah! Je ne peux pas faire ça à une belle fille comme toi. Ah! Voyons. Tu vois, regarde ma robe. Regarde ce que tu as fait. Oh, c'est pas bien ça. Laisse-moi. Oh, pardon. Je marchais tranquillement et voilà que tu viens me salir. Je suis désolé, pardonne-moi. Ah! Toutes mes excuses. J'étais... Vraiment. J'ai perdu le focus. En fait, la route est très mauvaise. Désolé, princesse. Maintenant, regarde ma robe, regarde mon corps. Je suis désolée, que dois-je faire pour ça? Je rentre à la maison et je me lave. C'est super. Alors, je te dépose donc, princesse. Laisse-moi t'emmener où tu désires. Toi, me ramener chez moi? Ah oui. Je ne peux pas te suivre. Pourquoi? Parce que je ne te connais pas. Est-ce que je te connais? Je ne te connais pas. Ok, moi, c'est TJ. Oui, et tu ne dois pas me connaître. La plupart des gens de ce village ne me connaissent pas parce qu'on vient ici rarement depuis la mort de mon père. Je suis le fils du défunt chef Odmodu Johnson. C'est vrai. Et je suis ici pour les vacances. Tu vois, tu dois être à l'aise avec moi. Ok? Je peux te déposer. Pas de problème, le boss. Super. Par ici. Passe de l'autre côté, s'il te plaît. Attends que je t'ouvre. Vas-y, s'il te plaît. Oui. Alors donc, dis-moi davantage à propos de notre village. Ah bon, en fait, ça fait si longtemps que je ne suis pas venu ici. Et maintenant, tout est différent. La dernière fois que je suis venu, c'était lors de l'enterrement de mon défunt père. Et maintenant, on voit que le village avance en plein développement. Oui. Ouais. Tout est développé maintenant. Oui, je vois. Alors on fait comme ça. Je te dépose chez toi, d'accord? Et je reviens te prendre après pour que tu me montres tout le village. Comme ça, on fera mieux connaissance, tu vois? Ok, ça Qu'est-ce marche. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que je te propose. Oui? Non, le boss. Bingo! Je pense que tu devrais pas chercher à me connaître. Pourquoi pas? Pas besoin de me connaître. Ah. Pourquoi tu dis ça? Écoute, tu vois, tu es ma première amie. Et je veux simplement être amie avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis pas bien du tout. Ah. Et lorsque les gens vont nous voir ensemble, ils vont me stigmatiser. Moi, je ne suis pas une bonne fille. Écoute. Voyons. Je suis un grand homme maintenant, ok? Dois-je écouter tous ces ragots à mon âge? Je viens d'une cité et j'ai vu toutes grandes sortes de vermines humaines. T'es malade, je te dis. Et je t'avoue quelque chose. J'aime avoir un peu de rudesse dans ma bulle. Tu comprends ce que je dis? Ok. Mon Dieu, cette voiture. Tout Jésus. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne sais pas. La voiture s'éteint. Oh, Jésus-Christ! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? Sois relax. Je vais vérifier le moteur. Ok. Je suis sûr que c'est pas une grosse panne. Peut-être qu'une bougie ou un câble s'est juste débranché. Laisse-moi voir ça, s'il te plaît. D'accord, pas de problème. Ouais, je suis sûr que c'est rien. C'est pas grand-chose. TJ va gérer ça. Cette bagnole déconne au milieu de nulle part. Ok. J'ai trouvé le pétard. Deux secondes et on repart d'ici. J'y suis presque. J'ai vu le mauvais gars.
Et voilà. C'est OK. Et... Hein? Tu es là? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Mon Dieu, elle était là. Hein? C'est vraiment bizarre, ça. Oh, Seigneur! Ma montre! Ma montre! Mes bijoux! Où est-elle partie? Hey! Où est-elle? Où est-elle? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, s'il vous plaît, messieurs! Messieurs! S'il vous plaît! Vous n'aurez pas vu une fille de teint clair? Une fille de teint clair! Elle a volé ma montre! Elle a volé ma montre! Excusez-moi, madame! Vous n'avez pas vu une fille de teint clair? Vous l'avez vue? Elle a porté une robe blanche! Non, je ne l'ai pas vue! Laissez-moi passer! Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'hallucine! Où est-elle passée? Non, mais je rêve! Ouf. Ça va? Ok. Hein? Jeune femme, où as-tu trouvé toutes ces choses-là? Papa! Hein? Papa! Je les vends. Je ne t'ai pas demandé ce que tu en fais, mais plutôt d'où ils viennent. Papa, c'est pas ce que tu crois. Papa, mon plan, c'est de faire un tout petit business au moins pour aider ma famille. Tu comprends? Voilà des choses intéressantes. Papa, qu'est-ce qui te fait marrer? Non. Je ne me moque pas de toi. Tu vois, papa, je voulais t'offrir cette montre. Ok. Mais puisque tu ris, cela veut dire que tu n'es pas intéressé. Je vais garder ma montre. Fais voir. Tu vois cette belle montre? Tu vois, si je porte cette montre et me présente au meeting, le roi pourra tellement m'admirer qu'il va se lever pour me saluer. Chizoba, il me plaît celui-ci. Et alors? Quoi donc? C'est juste qu'il me plaît. Hé, hey, il est beau, il est très beau. Merci beaucoup, je ne le vends pas. Pourquoi? Ah, Chizoba. Es-tu sûr que tu n'as pas à nouveau volé? Grande sœur, je ne vends pas. Parce que la dernière fois que j'ai vendu des habits à Umma, Umma et papa ont promis de me donner l'argent. Ils n'ont pas payé. C'était des habits volés, papa. Le propriétaire m'a vu au marché, il m'a brigandé, il a repris ses habits. Mais tu les as portés. Tu les as portés. Les habits volés. Grande sœur, ce que tu portes, tu ne m'as pas encore remis leur argent. Donc, je n'en ai plus besoin. Je ne vends pas aussi. Je ne vends pas, papa. Ça tient encore le business? Plus maintenant. Hein? Écoute, si jamais je découvre que tu les as volés, je vais t'envoyer voir les surveillants. Tu sais comment ils vont s'occuper de toi? Hein? Papa. Papa, papa, je n'aime pas ça. Papa, ne recommence pas encore. Chizoba, écoute. Ramène ces bijoux. Va ramener ces bijoux. Je te le conseille. Emma, viens. Je te suis. Allons à la cuisine. Si je refuse de les ramener, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me faire quoi? Ramène ces trucs, ramène ces trucs. Comment une si belle femme peut être une voleuse? Alors que je pensais enfin avoir trouvé une fille. Je dois la rechercher. D'abord, je dois récupérer mes bijoux et mon argent. Ensuite, je vais décider quoi faire d'elle. Hey!
Bonjour, mon oncle. Le fils de son père. Oui, mon oncle. Le fils de son père. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Ah. Comment allez-vous? Quelle surprise. Oui, mon oncle, c'est vrai, il y a longtemps. Ah, qui je vois là? C'est bien moi. Ah, tu es arrivé quand, juste? Je suis arrivé dans la nuit d'hier, mais j'ai été épuisé par le voyage. Ok. Oui. Ok. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Et tout le monde? Oh, pas mal, ça va. Je vois. Et la vie de cité? Mon oncle, ça va bien. Et tous les autres là-bas? Tout va, merveille. Oh. En fait, je suis juste venu passer un peu de temps avec vous au village. Ah. Oui. Ok. Mon oncle, en tant que le seul frère de mon père, j'aimerais bien que vous me montrez ma famille et ma lignée. Oh. Vous voyez, ce genre de choses. Mm-hmm. Les choses oui, que je dois oui, savoir. Oui. Tu as sagement réfléchi. Merci, mon oncle. Tu agis avec sagesse. Bienvenue. Bienvenue. Merci, mon allons oncle. À l'intérieur. Ah, j'ai quelque chose pour vous dans le coffre de la voiture. Pour moi? Appelez les enfants. Hey. C'est rien de bien important. Les enfants! Les enfants, venez! Hey. Regardez qui est là. N'est-ce pas mon ami Johnson? C'est pas vrai. Peter. Mon gars. Pioro. Ça fait un moment là. Je n'en reviens qu'est-ce pas. Qu'est-ce que tu fais là? C'est incroyable. Oh. Tu fais quoi au village ici? Mec, je suis au village depuis des années maintenant. Vraiment? Il fallait un petit retour. Mec, je te comprends. Je te comprends, ainsi va la vie. Dis donc, temps de te voir. Tu fais quoi au village? Ben, je suis juste revenu passer un peu de temps avec vous. Ah, je voulais juste une recharge, mais on va boire un coup. L'homme est super fort. Tu sais ce que c'est? Mon ami, oui. Johnny. Oh, Johnny. Mon gars, Johnson. Johnny, comment tu vas? Bienvenue au village. Il est du village aussi? Oui, en effet. Bien sûr. Oh, vraiment? Mon Dieu. L'homme fort. Ça fait un bail. Serveur, donne la même donne chose la même que Johnson. Chose. Serveur, pour mon Dieu. Tu te prends quoi? La même chose que vous. Retour à l'origine. Renvoie-le à l'origine, mec. Le puissant Pierrot, Pierrot. Imagine. De toute ma vie, Pierrot, hey, j'ai beaucoup souffert. Digi a souffert. Calme-toi. Oh. Peux-tu croire qu'une fille monte dans ma voiture et me dérobe mes sous et mes bijoux? Tu sais combien ces choses m'ont coûté? Une fortune. Oh. Pierrot, elle prend tous mes trucs et disparaît. Tu arrives à croire ça? À quoi cette fille ressemble? C'est facile à décrire, mon ami. Elle est grande, teint clair, et tu vois, du genre friponne, un peu négligée, mais bien belle. Ça suffit à mort. Mon père, voici la dîme, comme je vous l'avais promis. Il y a aussi un surplus. C'est gentil, mon fils. Oui, pour la construction sois de l'église. Au nom du Père, amen. Du Fils et du Saint-Esprit. Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, mon père. Hey. Oh, mon ventre! Hey. Qu'est-ce qui mon t'arrive? Père, mon ventre! Mon ventre me fait mal! Mon viens, père, ici! Viens, assieds-toi là! Ici. Va, assis! C'est ça! Comme ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ira, tiens bon! Je vais prier pour toi! Dominus Pater, Alléluia! Dominus Pater Mos, Alléluia, Alléluia. Amen. Benedictum. Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais où elle est passée? Mon argent. Je suis désolé, mon père. Vraiment désolé. Dès qu'elle arrivera, mon père, je vais la réprimander. Et elle va retourner tout l'argent qu'elle vous a volé. Hein? S'il vous plaît, pardonnez-la. S'il vous plaît. D'accord. Et mon fils, j'ai déjà demandé à Dieu de lui pardonner. Mais elle doit ramener tout cet argent. Oui, c'est l'argent du Seigneur.
c'est le don d'un serviteur. Tu connais les Écritures. Quiconque vole l'argent de notre Dieu invite la damnation. Mon Dieu! Il faut lui parler, c'est important. Je le ferai, mon père. Je vais lui parler. Je vais le faire. Et encore, il va falloir que tu mettes de l'ordre dans ta maison. Parce que tu es un chevalier d'ordre d'une église catholique. Parce que le rapport que j'ai eu de toi et de ton foyer est déplaisant pour notre Seigneur. Mon père, je vais faire de mon mieux. Tu dois bien le faire. Cependant, je ne suis plus aussi fort que lorsque je les traquais auparavant. Mes os sont maintenant faibles. Père, je vous assure que je vais faire de mon mieux. Je maîtrise la situation. S'il vous plaît. Que le Seigneur t'assiste. Amen. Amen. Merci, mon père. Comment Amen. Peux-tu voler un révérend comme ça, hein? Un serviteur de Dieu? Ah, sœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est le révérend qui s'est plaint? Le révérend ne s'est pas plaint. Après tout ce que je lui ai volé, c'est pas à lui, c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné. Retourne cet argent. Retourne cet argent, je te casse le cou, tu m'as bien entendu, retourne cet argent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'entends? T'as pas rendu ça personnel? Tu en fais une affaire personnelle. Ramène cet argent. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? C'est pas Dieu qui t'a demandé Ramène de le faire. Ramène l'argent avant que je ne te renie. Tu m'as compris? C'est quoi tout ça? Tu n'entreras plus chez moi jusqu'à ce que tu aies ramené l'argent que tu as pris. Désormais, je te considère comme mon ennemi. Ramène l'argent et l'huile d'onction. Oui. Donc tu as même osé voler l'huile d'onction? Dieu t'en garde. Tu ramènes tout. Papa, j'ai pris une part de l'argent. Tu as fait quoi? C'est un peu, papa. Juste Mais un peu. Mais ça va pas la tête. Voler dans la maison de Dieu. Papa, je vais ramener l'argent. Ramène tout. Et lui aussi. Va me ramener tout ça. Attends, stop. Je veux juste discuter, s'il te plaît. Attends, je veux seulement discuter avec toi. Bossman, laisse-moi en paix, non? Laisse-moi en paix. Écoute, je n'ai rien volé dans ta voiture, rien du tout. Je sais, je ne t'accuse pas du tout. Je veux juste qu'on parle. Monte dans la voiture. Vous voulez me forcer à monter là-dedans pour me frapper, pas vrai? Pas Shizoba. Je ne suis pas violent. Est-ce que j'ai une face de violent? Comment saurais-je que vous n'êtes pas brutal? Comment? Ok, puisque vous dites que vous n'êtes pas brutal, où allons-nous? Quelque part où nous pourrions s'asseoir, boire et causer. C'est tout, pas autre chose. Ok. Dans ce cas, pas de problème. Je connais une très, très bonne place. Une très bonne place. Vraiment? Allons-y donc. Allons-y, s'il Allons-y. Te plaît. Allons-y. Après toi? Wow! C'est impressionnant. Je ne savais pas qu'il existait un coin si beau dans le village. C'est joli, j'aime bien. Tu vois? Surtout cette section. C'est vraiment gracieux. Notre peuple va bien de l'avant. On a de bons bars, vois-tu? Ouais. Et tout le monde aime la bonne vie, plus que cette vie de broussard. Tu as raison.
Je suis impressionnée. Notre peuple évolue. Oui. Alors, de quoi on discute? Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie? Apparemment, tout le monde te connaît ici en tant que... Je croyais que vous aviez dit qu'on n'allait pas parler de ça. Je suis désolée. C'est comme ça que ça m'arrive. Cela arrive des fois comme ça, je n'arrive pas souvent à me contrôler. Mais maintenant, je t'assure que c'est passé. Tu sais, j'ai trop duré ici. Je dois rentrer. Non. Il faut juste te relaxer, ok? C'est pas exactement de ça que je voulais qu'on parle. Je ne te juge pas, tu sais? J'étais en fait en train de penser à toi. Penser à moi? Oui. Est-ce à cause des choses que je vous ai volées? Non, loin de là, princesse. Tu me plais bien. J'ai pensé que ça allait être intéressant de faire davantage connaissance. Tu vois, être plus intime. J'aimerais te connaître encore mieux. Désolé, monsieur. Si c'est ce à quoi je pense... Je crois que je dois y aller maintenant. Allez, vas-y, sois relax. Détends-toi. Écoute... j'essaie juste de... ok, ça va, c'est d'accord. On va juste parler de la vie, ok? Parle-moi du village, ça m'a beaucoup manqué. Tout le monde va bien. Je vois que ton verre est vide. Barman, s'il vous plaît, il va t'apporter à boire, ok? T'en fais pas, il viendra te servir. Parle-moi tout juste de tout et de rien. On a pratiquement passé toute la soirée en train de bavarder. Bien sûr, je me suis bien amusé. Moi aussi. Vraiment? C'est bien alors. Alors, je crois que c'est le parfait moment pour un vrai baiser. Qu'est-ce que tu en dis? DJ... Pour confirmer ce dont on a parlé ce soir au bar. C'est trop tôt. Toi aussi, mon bébé. Rien n'est trop tôt pour être amoureux. Vas-y. Bébé. Oh oui, tu es ma chérie maintenant, ok? Mon papa est là. Ok, compris, allons-y. Mon bébé. Je vois que tu es amoureuse. Mais non, je ne suis pas amoureuse. Je suis juste en observation. Et qui est-ce? Grande sœur, tu ne le connais pas. Il vient de la ville. Pourquoi tu ne l'as pas laissé entrer pour au moins nous saluer? Je ne peux pas. Tu veux que papa me tue? D'ailleurs, je ne peux pas l'emmener à la maison si tôt. Lorsque le temps sera venu, je vais vous le présenter. Ok, allons manger. Papa dit qu'on va veiller ce soir. Ah, papa. Papa ne changera pas. Allez. Papa a intérêt à attendre qu'on arrive, sinon... Tu vois, les enfants s'amusent bien. Bébé, oui. Maintenant il faut que tu me remettes l'argent que tu m'as promis. Je dois me refaire les cheveux. Bébé, pardon, patiente encore un peu. L'affaire dont je t'ai parlé sera réglée à la fin de ce mais mois. Mais pourquoi tu crées toujours des excuses quand il s'agit de moi? Tu sais que je suis sérieux avec mes promesses. T'en fais pas, tu sais que tu es la seule que j'ai. J'en doute. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je suis fatiguée de tes poèmes et chansons que tu me racontes. Je vais commencer à m'intéresser à un autre gars. Et je sais que tu vas te plaindre puisque tu n'apprécies pas ce que tu vois là, maintenant. Bébé, pourquoi tu t'énerves de la sorte comme ça? Tu vois, bébé, je pense à toi. Johnny,
S'il te plaît, parle à mon bébé. Tu sais que je n'ai pas d'argent en ce moment. Vas-y, parle-lui. Écoute, mon gars, j'ai mes propres états. Ne me mêle pas à tes histoires d'amour. Mais allez, mon frère, parle-lui. T'es jaloux, mec. Pourquoi serais-je pas jaloux? Hein? T'as vu comment est-ce que tu te frottais à lui? John, j'ai rencontré Peter avant toi. Tu vois? Tout ce qu'on fait doit rester un secret et strictement gardé. Arrête de le raconter en public, c'est trop honteux. C'est honteux, d'accord. Attends-moi, c'est honteux. C'est bien honteux, même bouffer mon argent n'est pas honteux. C'est ça, non? Peter en profite seul et c'est moi qui paye les factures. Pourquoi est-ce que moi je vais te rendre belle juste pour lui? Bébé, arrête de parler de la sorte. Tu vas blesser mon cœur. T'as pas idée de ce qui se passe. C'est un cas du singe qui travaille et le babouin qui en mange. Ça ne me plaît pas. Ok, voyons, c'est quand la dernière fois que tu m'en as donné? Je ne t'en donne pas du tout. Pas du tout. C'est juste à cause de ça que je suis restée avec Peter ces deux jours. Oh, deux jours, sans même te donner de l'argent pour te coiffer. Oublie tout ça. Tu viens, je vais te donner l'argent demain. Puisque tu en as besoin, je vais te la donner. Tu iras acheter ce que tu veux, tes sous-vêtements. Ne la porte pas pour lui. Non, non, non. Ah. Tout ce que tu achèteras pour moi, je le porte. Pour toi, seulement pour toi. Ok, ça marche. Bébé. Papa, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Hein? C'est bien vrai. Hey! Hein? Que faites-vous sur la table de mon père? Hein? Ferme ta bouche. Qu'est-ce qui est vrai? C'est effectivement vrai. Hein? Vous volez dans ma plantation et vous avez le cran de me questionner? Monsieur, on ne vole pas haut. Et nous ne sommes pas des voleuses. Hein? Je dis oui, on ne vole pas. Regardez-moi celui-là. Tu vas juste débarquer sur notre terre et raconter tes bobards. Ça, c'est notre terre. Est-ce que mon père ne vous a pas dit de ne plus planter sur cette parcelle? Celle-ci est notre terre et celle de notre père. Oh! Hein? Ton père? Et ton père ne t'a donc pas informé qu'il m'a vendu cette parcelle et que je lui ai payé cash? J'ai payé ton père cash. Oh, regardez-le. Hey! Qui t'a vendu de la terre au juste? Ton père! Ton propre père? Pas de problème alors. Si mon père t'a vendu de la terre, va à la maison le trouver pour discuter de la terre qu'il t'a vendue. Mais quant à cette terre-là, et tout ce que cette terre contient nous appartient. Chizoba, continue. Non, c'est la terre de mon père. Écoutez-moi. Viens, viens, mon fils. Va reprendre tout ce qu'elles ont déterré. Hé, toi. Montre-le. Tu es venu nous tester. Tu veux nous estorquer. Voleur ou malade. Laisse-toi, tu vas voir. Ça ne va pas la tête. Lève-toi, allez, par terre. Lève-toi maintenant. Lève-toi un peu. Ok, continue de parler. Vas-y, si. Non, ne fais pas ça. Ici, tu vas voir. Tu me tues la gorge. Lève-toi. Regarde-toi. Est-ce que tu te vois? Lève-toi si tu n'aimes pas le respect. Tu n'aimes pas le respect. Tu n'aimes pas qu'on te respecte. Tu te regardes. Tu vas le regretter. Voleur, il vaut rien. Viens nous importuner. Viens encore. Tu vas voir ce que je vais te faire. Voilà. Ada. Oh mon Dieu. Tu t'imagines? Regardez-les. Ils débarquent sur notre terre et nous racontent des sottises. Ces idiots. Regarde, regarde, tout ce manioc éparpillé. Essaie de le ranger. Tu t'imagines? Ce n'est pas possible. Tu as vu ce qu'elles ont fait, mon fils?
Elles vont le regretter, je t'assure. Chizoba? Chizoba? Bonsoir, monsieur. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Hey, Chizoba. Monsieur. Ton père est à la maison? J'ai laissé papa à la maison avant de sortir. Ah, c'est parce que j'allais comme ça chez lui. Ok. Chizoba? Monsieur, je vous écoute. Qu'est-ce que tu as là dans ce sac? Monsieur, c'est juste de l'igname. Monsieur, désolé, c'est maçonnerie. Monsieur. Chizoba? Monsieur. C'est à qui ce poulet qui gigote dans ton sac? Monsieur, je n'ai pas vu de poulet aujourd'hui, oh. Hein? C'est mon téléphone qui est en train de sonner, monsieur. Ok. C'est mon comme nouveau téléphone. Comme toujours. Ton téléphone vibre. Ok. Laisse-moi appeler les villageois autour pour qu'ils vérifient si c'est vraiment ton téléphone qui vibre. Monsieur, venez. Monsieur, s'il vous plaît. C'est un coq. C'est un poulet, hein? Monsieur, c'est pas de ma faute. Ce poulet ne se sentait pas bien depuis ce matin. J'ai décidé de l'emmener au marché, hein? Pardon, à l'hôpital. Chizoba, sors ce poulet et laisse-le partir. Libère-moi ce poulet, vite. Voleuse. Monsieur, je ne suis pas une voleuse, oh. J'essayais juste... Monsieur, j'essayais juste de l'aider, hein? Ce poulet est ennuyant. Je vais te bastonner si tu ne le sors pas. Monsieur, ce poulet ne se sent pas bien. Hein? Oh! Chizoba, libère ce poulet. Oh, monsieur. Laisse-le partir. Monsieur, je vous assure que ce poulet ne se sent pas bien. Voleuse, la ferme. Petite voleuse. Monsieur, je ne suis pas une voleuse, oh. Tu ne vas jamais changer. Est-ce que c'est un crime de s'occuper des poulets? Tu as une idée des monsieur? Conséquences de ce que tu viens de faire? Non. La prochaine fois, Chizoba, tu seras de manière publique disgracié. Monsieur. Tu m'as bien entendu? Oui, monsieur. Monsieur, j'ai amené ce poulet à l'hôpital. La ferme! Voleuse, que Dieu te pardonne. Monsieur, j'essayais juste d'aider ce poulet. Il est malade. Monsieur, ce poulet est malade, je vous dis. Je dois le rechercher. Mais attends. Où est-il passé? Aïe! Attends. Où tu es? Je vais te remettre de l'argent. Oh, je t'aime, toi. Qui est-ce? C'est qui? C'est Peter, mec. Viens ouvrir. Dans la salle de bain.
Hé, dépêche-toi. Va vite. Allez, passe-moi ça. Donne voilà, tout, tiens, tout, tiens. Donne. J'arrive. Vas-y, en fait. Ouvre la porte. Hey. Oh. Oh non. Hé. Mon gars. Oh, mon gars. Quoi de neuf? Cool, mec. Wow. Quoi de neuf? Tu te reposes, pas vrai? Mais ne me dis pas que tu ne viendras pas mater le match avec nous. Je suis exténué. Très exténué. Je dois te raconter, mon frère, ce que Chelsea a fait à Arsenal. Oh, bon. Hein? Je te cool, le raconte. Ouais. Mais je suis pressé. Laisse-moi me mettre à l'aise et je reviens attends, à toi. Mec, attends, attends, attends. Hey, attends, il ne va pas rester ici. Je viens d'utiliser le WC et j'ai pas encore tiré la chasse. C'est pas grave. Est-ce la première fois que je vois ta chiasse? Laisse-moi pisser, après tu vas vider. Attends, attends. Ça va, okay, laisse-moi bon, passer. Laisse-moi qu'est-ce d'abord. Qu'il y a? Ok, viens, tu vas utiliser celle du voisin, pardon. Oh, je vais pisser ici, mec. Viens, tu vas utiliser ouais, celle du voisin. Laisse-moi me mettre à l'aise. Mon gars, ce pipi voulait péter ma vessie. Là, j'allais pisser ici même si tu m'avais ouais, pas laissé entrer. Urgé. Il fallait ça. Man, habille-toi, on sort. Ah non, je crois que j'ai pas très envie. Allons-y très au lieu de rester t'ennuyer tout seul ici. Va, je vais te retrouver là-bas. Pas de problème, à tout de suite. Mais tarde pas trop. Mon gars, vas-y, je vais faire un petit sommeil. On se voit plus tard, ok? Ou sinon, je vais t'appeler. D'accord, on s'appelle. Ok? Oh, s'il te plaît. Désolé. Oh, chérie. Je ne sais pas. Oublie-le. Tu reviens te battre tout seul, hein? Hé, hey, pourquoi? Non, je suis faux. Non, hein? Écoute, écoute-moi. C'est pas bien de toujours se chamailler, comme des enfants, hein? On devra plutôt être de bons amis. Tu me plais beaucoup. Tu dis? Tu aimes qui? Moi? Je vais te donner une baffe, hein? Désolé, désolé, pardon, hein? Pardon, c'est pas ce type d'amour, non? Hein? Je veux qu'on soit des amis, de vrais amis. Tu vois, j'ai pas d'amis, je n'ai aucun ami dans ce village. Toi et qui ami? Non, en fait, tu vois ces gars-là. Ces deux gars-là, je ne veux plus les voir, je ne veux plus les voir encore. Tu vois, c'est toujours eux qui me demandent de venir te combattre. En fait, ils me disent... Ces deux gars, tes frangins, ce vaurien et insofort, c'est eux qui te demandent de venir me combattre. Hey, si j'attrape ces deux petits blaireaux... Non, c'est pas la peine. T'es pas obligé, hein? T'es pas obligé du tout. Ok. Tu vois, maintenant qu'on est là, nous sommes devenus amis. Plus besoin de ça. Tu es devenu ami avec qui? Hein? Toi et qui? S'il te plaît, désolé, ok, oh, écoute. Tiens, je t'ai apporté cette boucherie sauvage pour te prouver vraiment que je t'aime. S'il te plaît, accepte mon amour et, pardon, mon amitié. Accepte mon amitié. Écoute, je n'ai pas confiance en toi du tout, non. Hein?
Tu es sûr que tu n'as pas empoisonné cette agoutie? Ah, ah, pas du tout. Non, non, je ne suis pas fou. Hein? Je ne suis pas malade. Non. Mais pourquoi donc? Ok, peut-être que j'ai tort. Oh. Merci tout de même. Merci. Ada. Alors, je peux partir? Bien sûr. Pardon. Pardon. Peux-tu juste un peu, tu vois? Un peu, un tout petit peu, m'embrasser, tu vois? Pour me prouver que tu m'as accepté. Donc je dois alors prendre mes seins, les frotter sur toi pour montrer que j'accepte? Non, non, non. Ne m'embrasse plus. Je suis pas vexé. Ça va. Ada. Comme tu m'as offert de la viande, je vais retourner à la maison pour la déposer. Hein? Merci, 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 merci beaucoup. Cette journée a été super mauvaise, quelle poisse! Et ce vieux renard est venu tout mélanger. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai faim! Ah! Qui a-t-il? Où est la viande, toi? À qui tu poses cette question? Hein? À qui tu le demandes? Hein? Tu te joues de moi, mon ami? Tu m'envoies de la viande pour me séduire et tu retournes la voler. Où est la viande, espèce de tricheur? Moi? Pardon, pardon, ne me dis pas ça. C'était censé, hein? Pourquoi tu m'appelles voleur, hein? N'importe quoi, écoute, je cautionne tout. Mais je ne permettrai pas de m'appeler voleur. Odoum, qu'est-ce que se passe encore? Ferme ta pile à une bouche. Tu la fermes et tu m'écoutes très bien, compris? Tu sais bien que j'étais seule dans mon camp. C'est toi qui es venu te pointer avec ce gibier et les troubles. Tu vas entrer dans ta maison et ressortir très vite avec cette viande, sinon toi et moi, on va mourir. Écoute-moi, je ne veux pas de problème. Arrête tes histoires et tes blablabla. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me duper? Arrête. Tu cherches à me duper? Tu te fous de moi? Où est la goutti? Où est la viande? Où est-elle? Parle! Où tu l'as cachée? Vas-y, parle! Je vais te boxer! Parle! Je t'assure que c'est pas moi! Ce gibier ne vaut pas 5000 naira? Hein? Madame Chapchap, vous voyez bien ce gibier, non? Je vais te donner 5500, voilà! Madame Chapchap, cet agouti que vous voyez ici, hein? Quelqu'un vient de me le proposer à 5500 naira. 5 quoi? Hein? 5500. Mais comme c'est vous, je vous le donne à 6000. Et ça, c'est le las. Je ne peux pas trouver cette somme. Pas du tout.
Allez, sortez les sous, il faut sortir le fric. Hey, je vous vends ce gibier par privilège, oh. Merci. Plus quelqu'un d'autre, j'allais pas le vendre à cette somme. Oui, je sais. Merci. Hey, merci, tiens. Au revoir. Okay, bye au bye, revoir. À la prochaine. J'ai toujours du bon gibier. Madame Chapeau. Chap, chap. Ah, quel bon gibier. Je l'ai trop cherché. Attends. Madame Chap, reviens. Pardon, ne te vexe pas. Cet agouti, tu l'as... Où l'as-tu trouvé? C'est Chizoba, ta sœur, qui vient de me le vendre. J'en ai trop cherché ces deux dernières semaines. Dieu merci, j'en ai... Ah, d'accord. Ça suffit. Dieu merci, pourquoi? Hein? Avant de commencer à remercier Dieu, ce gibier que tu tiens là devant moi a généré un combat il y a seulement 5 minutes de cela. Si tu ne veux pas d'histoire, madame, tranquillement, tu vas me remettre cet agouti. Va voir ma sœur et reprends ton argent pacifiquement. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Que dis-tu? Non, mais ça va pas. Redonne-moi ça. Vas-y, lâche-le à moi. Mais tu deviens folle. Des carcasses. Je te raconte les faits, tu me poses des questions idiotes. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es cinglé? Je prends mon temps pour t'expliquer tout. Toi, tu me demandes c'est quel genre de litige ça? C'est comme ça qu'on s'assoit et on trouve la viande de brousse? Tu n'es qu'une bonne à rien. Dieu va te punir. Va le dire à ton père. Ouvre ta bouche encore et tu vas avaler ce bâton. On se reverra. Arrête-toi. Au secours. La police veut m'emprisonner, oh. Alice, attrape-la. Vas-y, dépêche-toi. Attrapez-la. Ne la laissez pas. Dépêche-toi. Elle doit me rendre mon argent aujourd'hui. Ah, voilà, le gibier. Ne la laissez pas, oh. Attrapez-la. Attrapez-moi cette petite filoute. Attrapez-la. Ne la laissez pas. Il ne faut pas qu'elle s'enfuie. Je suis venue te présenter mes excuses. C'est ma sœur qui avait volé le gibier. C'est quelle histoire ça? Papa, pardon, je suis désolée. Tu es quoi? Je suis désolée, papa. Je vous ai donné tout ce que vous m'avez demandé. Je vous donne tout ce que vous demandez. Et en retour, c'est la honte et les troubles. Non, papa. Vous voulez ma mort, c'est ça? Non, non, papa. Toutes les trois, vous voulez ma mort? Hein? Papa, non. Écoute, la seule condition pour que je te pardonne, c'est de me rembourser l'argent que j'ai eu à payer au poste de police. Sinon, je te renvoie en prison. Papa. C'est ça. Je vais te renvoyer là-bas. Papa, s'il te plaît, je ne veux pas y retourner. Donc, tu me ramènes l'argent. Papa, je vais te donner l'argent demain. Tu dis quoi? Demain, papa. J'ai payé la police instantanément. Tu me parles de demain. Va me ramener l'argent à la maison. Où que l'argent soit, ramène-le. Papa, pardon. Je m'adresse à toi, t'es poli. Allez, où que l'argent soit, va le chercher maintenant. Allez, couche-toi. J'ai pas le temps à perdre. Hé! Hey. Pourquoi cette fille se comporte ainsi? Hé! Hey, grain de palme, là où je sais. Où est mon argent? Tu crois que je plaisante? Bébé. Ah.
Bébé. Oui, chérie. J'ai une surprise pour toi. Vraiment? Oui. Ok. Quoi donc? Bébé, j'ai acheté cette montre pour toi. En fait, c'est pour remplacer celle que j'ai prise dans ta voiture. Je sais que ça ne la vaut pas, mais bébé, s'il te plaît, fais avec. Celle-ci est sans doute une camelote. Et je suis sûr qu'on vend celle-ci entre 800 et 1000 naira. Celle que tu as prise dans ma voiture est vendue à 500 000 naira. Sors le fric, sors le fric, sors le fric! Ok. Je vais te donner 1500. Ah, pas ça! Ce truc, on en trouve partout. La neuf coûte 2000. Tu ne vois pas les bling-bling là-dessus? Et ce sont les bling-bling que je vais manger. Vas-y, garde-la si tu veux. J'en ai pas besoin. J'en trouverai une autre. Et sors le fric, arrête les blabla. Sors le pognon! C'est toi qui me parlais de bling-bling. Tiens la montre. Je suis tentée de changer d'avis, hein, cette belle montre. Donne-la. Donne-moi la montre, non? Mon gars. Ravi d'avoir fait affaire avec toi. Salut-moi. C'est 1500, hein? Quoi? TJ. J'ai vendu cette montre à seulement 1500, tu vois. Qu'est-ce que tu dis? TJ, ils se sont joués de moi au... Oh, Seigneur. C'est... Ok, bébé, voyons, c'est pas grave. Tu es sûr que c'est pas grave? C'est du passé. Je t'ai déjà pardonné. TJ, je suis désolée. Non! Je suis désolée. Écoute, bébé, dis pas ça, écoute. Une montre n'a pas autant de valeur que toi, tu l'as à mes yeux. Ok? Je suis content de t'avoir rencontré. Je suis si heureux. Je suis très content. Tu apportes la joie dans ma vie. Tu m'apportes la plaisance. Je suis contente aussi de t'avoir, TJ. Ah, mon gars. C'est comment? Ouais, ça m'avait l'air urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Mon pote, dis-moi, tu te souviens de la belle montre que je t'ai vendue il y a longtemps? Je me suis trompée sur le prix. Mon gars, j'annule la vente. Prends ton argent. J'ai plus besoin de cet argent. Garde-le. C'est ça le business. Ah bon? Suis-je forcée de vendre? J'ai complètement annulé ce marché. Si c'est pour ça que tu m'as appelé, j'ai pas le temps. D'accord? Garde l'argent. Tu veux que je garde l'argent? Oui. C'est bien. Mec, pas de problème. Je te laisse avec ta conscience, hein? Pas de problème. Tu es sûr que tu ne veux pas garder ce fric? Pas de problème. J'ai glissé. C'est quoi le problème? Désolée, désolée. Cette fille là. Je rêve. Quoi? Elle m'a volé ma... Ça a l'air de te plaire. Tu n'es pas fatigué. Tu dois te reposer, non? Comment? Ah, bébé, je t'ai dit que je vais te désherber tous ces champs aujourd'hui. Je vais le faire, hein? T'es maintenant mon bébé. Et je veux que ton père soit fier du fait que tu as rencontré un homme fort, Odom le héros. Je peux tout faire pour toi. Bien sûr. Écoute, le temps que tu commenceras à ressentir et voir le guerrier en moi, tu vas louer Jésus pour le don d'un vrai homme.
détends-toi. Ce truc est très très doux. Hein. Si tu le combines avec le popcorn et le yaourt. Ada chérie, et Ada, t'en fais pas. Rien. Hein? Hé! Hey, tu vois ça? N'est-ce pas Odum et son ennemi? Hé! Hey. C'est Odum qui vient de nous ignorer comme des étrangers là. Hey. Aucun souci. Il va bientôt revenir à nous. Il aura toujours besoin de nous pour la combattre. Hey. Il aura besoin de nous pour la combattre à nouveau. Crois-moi. Je sais ce qu'il veut. Quoi? C'est à cause du masque avec lequel il nous a abandonné l'autre fois. Aïe, mon ami. Calme-toi, il faut te calmer. Tu vois ce gars? Lorsqu'il va vouloir sortir avec elle, la fille va le bouder. Il aura sûrement besoin de nous. Calme-toi, mon ami. Celui-là, ce gars, je t'avais dit que c'est du kérosène qui est dans sa tête. Il est malade. Hey. Il n'a pas honte, il porte les fagots. Il marche avec une femme, c'est lui le porteur. Laisse tomber, il verra avec cette fille. Calme-toi, lorsqu'il va vouloir sortir avec elle, elle va le battre. Et il aura besoin de nous. Mais tu as vu la charge qu'il a sur la tête? Laisse-le, il va voir. Oh. C'est quoi ces choses? Il ne sait pas dans quoi il s'est mis. Depuis cette quand fille va lui faire vivre l'enfer, cette fille. Oh. C'est pourquoi je n'ai pas voulu continuer à me battre. Pour lui, à cause d'elle. Il m'étonne de jour en jour. Il va renoncer. Et ça a déjà commencé. Attends de voir. Il va renoncer. Oh, celui-là. Ça, c'est incroyable. Waouh. J'aime vraiment cette fille. Elle me l'a ramenée. J'adore cette fille. Elle a du cran. Ouais. Qui je vois là? Monsieur P. Lui-même, mon frère. Monsieur P. Ouais. J'ai juste voulu te surprendre, mon frère. Ouais, mec, j'adore. C'est une belle surprise, mon pote. Après un bon moment, ouais. Quoi de neuf, mon frère? Ça va, mec, et toi, man? Merci. Qui est cette belle beauté que tu as amenée? Oh, désolé. Où sont mes bonnes manières? Bébé? Mon ami d'enfance. TJ. J'en suis ravie. Tout le plaisir est pour moi, bébé. T'es splendide. Mon pote. Hein? Tu me connais déjà, mon gars. Mec. J'aime les belles femmes, moi. S'il vous plaît, entrez, allez vous asseoir. Okay. Allez-y. Mec. Waouh. Ça fait longtemps, mon ouais, gars. Ouais, vraiment longtemps, mon frère. Bienvenue, ma chère. S'il te plaît, assieds-toi.
Assieds-toi. Qu'est-ce que je vous offre? J'ai de la liqueur, j'ai de la vodka et j'ai d'autres boissons. Dites ce que vous voulez. C'est la liqueur pour moi, je l'ai toujours bu. Tu sais comment je la veux. Je sais. Assieds-toi. Merci. Une boisson douce? Elle préfère douce toujours ça. T'en fais pas, mec, je la sers un truc doux, puisqu'elle est douce. Mon gars, monsieur, mec, tu nous as manqué. Mais on a de quoi se dire. Ouais. Vous m'avez manqué aussi, mais tu sais, une fois à l'université, Louis, c'est mon gars. On est très chargé, tu vois. Ouais. Depuis l'enfance. C'est mon gars, lui, TJ. On a plein de choses à se dire. Ouais, mon frère. Pourquoi se dire, mon pote? Tu nous as vraiment manqué, mon gars. Tu nous as manqué. Il t'aime par ici. C'est mon gars. Ouais. Mr. P. Ouais, mon pote. Quelle belle surprise. Je ne m'attendais pas du tout à toi. Ouais, vraiment. Merci. Ouais. Merci. Ok, mec. On trinque. Ouais, mec. À la belle vie. Bébé, tape là. C'est comme ça que ça se passe. Bébé, trinque. Ouais, Mr. P. Ouais. Il y a longtemps, mec, mon je suis frère. Si content de te voir. Après tout ce temps, ta bonne mine est bien rafraîchie. Je te le dis vraiment, mon frère. Vraiment? Ouais. Cool alors. Je vois que ta chérie est vraiment responsable. C'est mon cœur. Elle est magnifique. Ma maison est vraiment très belle. Oh. Je ne savais pas que dans ce village, il y avait une si belle maison. Merci. Merci beaucoup. Ben, disons qu'on aspire à la belle vie. Lors de la construction, je me suis rassuré que tous les détails étaient importants. Le Richard. Tu sais ce que c'est. C'est ça, mec. Mais Mr. P, il y a une chose qui manque. Regarde ça. Une si belle maison. J'y suis seul. Il me faut un ange comme elle, tu vois, pour me compléter. T'en fais pas. Mon frère, je règle ça. Je gère. Pas de problème, mec. Voyons, présente ta personne à ton pote. Très belle elle maison, en tout cas. Me combler ce manque. Tu vois. T'as raison, genre, mec. Tu vois bien. Mec, on relance ça à la prochaine. Ah non. On se verra une prochaine fois, t'inquiète. Mon gars, on se prend demain avec plus de tonus. Je vois, je vois. Merci beaucoup pour la visite. J'ai beaucoup apprécié. Tu sais que ma porte est ouverte pour toi 24 heures sur 24. Ouais, je le sais, ouais. C'est ça. Ouais, mec. Merci beaucoup d'être venu, chérie. On se voit après. Ok. Reviens me voir dès que tu peux. Hein, mon frère, d'accord. On va se la faire comme dans le bon vieux temps. Pas de problème. Les potes d'alors, DJ, DJ. Ouais. Mr. P. Ouais, mon frère. T'es un gars extra. Toujours comme toi. Champion. Wow. Où est-ce qu'elle a mis? Bingo! Une bad girl! C'est de ça que je parle. Où est mon téléphone? Oh! Une bad girl! La raison pour ce meeting, vous la connaissez bien déjà. Papa, il faut que tu saches que les femmes ne fabriquent pas de mari. Ferme ta bouche. Comment peut-on avoir un mari si on saute d'un homme à un autre? Sœur, je ne comprends pas du tout. Hey! Papa, je viens de rencontrer un homme. Et je vais l'amener ici lorsqu'il sera temps. Il ne s'agit pas de rencontrer un homme. Il s'agit que l'homme vous voit et vous accepte. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, toutes les trois, que personne ne m'apporte un crasseur de kleptomane dans ma maison. Papa, arrête ça. Papa, stop. Arrêtez quoi? Regarde-toi. Quand on parle, tu parles. Comment un homme peut te marier alors que tu es une ladronne? Une filoute. Écoutez, appuyons sur stop pour cette honte. Nous allons rejeter cette honte. J'en ai vraiment assez. Mais papa, nous sommes toutes dans des relations dans ce village. Lorsqu'il sera temps, on va les amener à la maison. Tu as bien dit ce village. Ce village, cela veut dire que tu n'as pas commencé. Ce village, où est l'homme dans ce village? Allez dans les villes voisines chercher à voir vos amis expérimentés dans ces choses. Pour vous donner des conseils, vous apprendre à jouer. Hein? Ceux qui seront mes beaux-fils sont supposés être très riches. Je veux rénover la maison. Qui va la sponsoriser? Papa, j'espère que tu ne nous demandes pas d'aller nous prostituer. Ce que tu fais déjà est pire que la prostitution. Oh. Hein?
Tu es déjà à fond dans tout ça. Et tu me racontes des âneries. Hein? Écoutez, ayez un bon comportement pour trouver de bons maris qui vont changer l'aspect de cette vieille maison pour quelque chose de meilleur. De grâce, j'en ai assez. Je vais au lit. Bonne nuit. Ah, papa. Qu'y a-t-il? Rien. Quand je dis bonne nuit, je veux dire allez dormir. Toutes les trois au lit. Allez dormir. Hein? Grain de palme, où je pense. Un grain de palme, là où je sais. Hein? Allez dedans. Passe. Va dormir. Arrête. Quel est son problème? Oh, décroche ton téléphone. Bébé, j'en veux plus. Non, ça va. Hé, hey, bébé. Attends le petit-déj. Je dois y aller. Bébé, t'es trop délicieuse. J'adore. Ça, c'est pour toi. Hey, wow. T'es super. C'est rien, t'as l'air si excité, bébé. Ne me dis pas que mon ami Peter te donne pas autant d'argent. Oh, s'il te plaît, tu dois comprendre. La raison pour laquelle je le fais avec lui, c'est parce qu'il est le mec le plus attentif du village. Sinon, parce que tout ce qu'il me donne, c'est 800 lira ou 1000 lira. Le jour où il m'a donné 3000 lira, c'était Noël. Non, s'il te plaît, tu déconnes, chose, t'es pas sérieuse. Tout à fait sérieuse. T'en fais pas, bébé. Chez moi, c'est toujours la forme. Ok? DJ? Qui est-ce? Ça doit être Peter. C'est une voix de femme. Non, non, non. C'est la copine de Peter. Ouais. Sa nouvelle copine. Peter a une copine? Écoute, on doit en parler plus tard. Mais tu vois, elle doit pas te voir. Viens là. Passons par là. Mais pourquoi on ne doit pas se voir? Il le faut, vas-y. Tu dois te taire. Il ne faut pas qu'elle te voie. Sois calme. Oh, bébé. J'ai une surprise pour toi. Oh. Peter. Peter. Oui. Chut, suis-moi. Il a du cran, ce gars-là. Peter. Vraiment, sérieux. Ce que je veux dire, c'est que ce Peter, il a de sacrées couilles. Entre, bébé. Ok, chut. Viens. Dis-moi ce que tu as. Et toi? DJ. Bébé? Hein? C'était qui ça? Oh, chérie, c'est la femme qui m'apporte à chaque fois du poisson à manger. Elle est venue voir si j'avais besoin de poisson. Mais je lui ai dit de laisser tomber parce que mon bébé est là et elle va faire le marché pour moi. Oui, je suis à toi maintenant. Je t'attends pour manger.
Vraiment? Ouais. Quoi donc? Dépêche-toi. C'est une surprise, viens vite. Oh ouais. Je sais que ça sera délicieux, comme toi. Fais-moi voir, bébé. Viens me combler. Tu vois, écoute, je vais te donner un nom de caresse. Que sera ce nom donc? Je vais t'appeler Adé. Comme ça, comme ça. Adé. Odoum. Qu'est-ce que c'est? J'ai eu. Arrête. Maman, bienvenue. Ça suffit. Hein? Odoum. Odoum, viens. Viens ici. Je te demande de venir. Pourquoi tu te plantes là comme ça à me regarder? Je n'ai rien fait de mal, non? Hein? T'en fais pas, ok? Sois relax. Tu sais, avec les vieilles, c'est difficile. Hein? Cela ne s'arrangera pas tout de suite. Tu vois? Tiens que je vais lui parler. Pas de souci. Maintenant, va lui parler, s'il te plaît. Vas-y. Fais-moi va un sourire. Va lui parler. Un sourire, un Qu'est-ce sourire. Qu'est-ce que tu fais comme Vas-y, ça? Vas-y, souris, chérie. Souris. Adieu. Vas-y. Tu m'as appelé Odoum encore. Va. Bisous. Odoum. Va donc. Maman, écoute, Ada est une autre personne maintenant. Tu comprends? C'est honteux. Cette fille n'entrera chez moi qu'en marchant sur mon corps. Tout est pourri dans leur famille. Hein? Écoute, fiston, on veut le meilleur pour toi. Hein? Il est préférable pour toi de marier une folle que de marier une fille de la Dja ou sa femme. Les villageois vont se dire que tu fais l'aveugle face à tout ce qui se passe autour, s'il te plaît. Hein? Maman, maman, s'il te plaît, maman, tu dois la respecter. Hein? Ada, c'est la femme qui me rend heureux. Tu comprends? Est-ce que tu es fou? Je ne pense pas que je vais la laisser. Ça ne va pas la tête? Ah. Écoute, Odoum, qui t'a qui n'a ni de qu'elle doit savoir courir? Ah, je vois. Tu m'as entendu? Ah, je vois, je vois. Je suis en train de te parler en toute franchise, c'est bon. Oh! C'est bon. Hé! T'en fais pas, je sais prendre soin de moi. Odoum! Je suis un homme Odoum. Maintenant. Odoum! Odoum! Je t'ai appelé combien de fois? Hein? J'ai fini avec toi. J'ai mes problèmes. Ah! Bonsoir, monsieur. Oui. N'est-ce pas ma fille? Tu peux descendre, bébé. Ouais. Shizuba. Papa? Ma fille. Ma toute belle fille. Bonsoir, monsieur. Salut, papa. Bonsoir. Papa, voici mon fiancé. Il s'appelle Tigier. Tigier, mon père. C'est un gentleman. Ouais, elle a sûrement raison. Wow. C'est d'accord. Mon plaisir est de vous connaître. Sois le bienvenu. Merci. Bienvenue. Allez, entrons. D'accord. Entrons. Bienvenue à toi. Apporte-moi ça. Viens avec. Je vous remercie. Mon nom, c'est Tojku. Fils du défunt chef Odmodu Johnson. Odmodu? Oui, monsieur. Ah, tu ressembles terriblement à ton père. Si vous c'est le bien. Dites. C'est bien, c'est très bien. Merci, monsieur. Mais vous ne venez pas régulièrement nous voir, mon fils. Je me demande pourquoi vous ne venez pas souvent. Oui, vous avez raison. Voilà. Je suis très heureux du fait que tu as choisi ma fille. J'en suis ravi. Ouais. J'ai espoir que tu vas prendre soin
de ma fille. Oh, bien sûr. Oui. Tu dois lui procurer du bien bonheur. Bien sûr. Ah, ok. Je suis vraiment heureuse. Ok, ok. D'accord. J'ai toujours prié qu'un jour, Dieu envoie un homme avec des moyens pour marier mes filles. Tu vois? Comme tu peux le voir, je vieillis haut. Je ne peux plus rien faire. Tout ce que je faisais avant, tu vois? Je comprends. Et j'ai plein de choses à faire. Avant, de façon normale, nous devons engager le mariage. Oh, d'accord. Je ne sais pas si tu as remarqué lorsque tu venais. Oui. Il y a une maison que je n'ai pas encore finie. Celle juste exactement. Derrière. Exactement. Ok. Je veux que cette construction soit convertie en une forteresse. Un donjon de monnaie avec une piscine sur le côté gauche. Ensuite, un garage qui est chargé de belles voitures sur le côté droit. Oui. Tu vois, si tout ceci est là, avant que la cérémonie de mariage commence, les gens se mettront tous à dire que cet homme-là est arrivé. Il a un magnifique beau fils. C'est vrai. Tu comprends? C'est vrai, monsieur. Et aussi, en tant qu'un cavalier ordonné par le pape lui-même, je suis amené à embarquer pour le pèlerinage à Rome chaque année. Ah. Chaque année. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Je vous comprends parfaitement. Ok. Tout ça, ça sera réglé au moment opportun. D'accord. L'argent n'est pas un problème. On en a vraiment beaucoup. Je suis vraiment ravi de savoir cela. Oui, monsieur. Je peux même sentir l'odeur de l'argent lorsque tu parles. C'est quoi ton nom, tu m'as dit? TJ. Ou Tujku Johnson? Non, je préfère TJ. Vraiment? TJ sonne étranger. Bien. Je n'ai pas affaire aux beaux-fils locaux. Ces hommes, c'est un de vin de pâme de misère. Ils sont partout. Non, non, je ne les aime pas vraiment. Je comprends. Je comprends, monsieur. Je vous apporte de petits présents. Ok. Pour vous dire merci de... d'avoir approuvé ma visite et pour cet accueil chaleureux. Tu es merveilleux. Ouvrez-le. Tu es une merveille. Regarde-moi ce vin. Celui-ci, on l'appelle le feu sous la pluie. Si vous le dites. Le feu sous la pluie. Oui, c'est exotique. Et... oui, je l'ai acheté au Canada. Canada? J'étais en visite le mois passé. Je vois maintenant. Oui. Tu vois, je dois prendre du temps pour le déguster. Mais je dois le mixer avec le vin de palme pour qu'il dure plus, tu vois. Non, papa, c'est rien. Ah, ma fille. Tu es là. J'ai de la visite. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vos visages me disent qu'il y a un problème? J'espère que je ne suis pas affecté. Qu'est-ce qui se passe? Make another one, who know happen again. She be now your name. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Whoop again with no fear. Tip a girl like a mother. Ozemina. In a fake radio. In a fake radio. Ibukwani boy cholibu. Ode kwalo. Ozemina. Ooh.
This man been night here. But then the by popo. But he believe in tradition of the land. He been useka. Oga kuza toke nandogu. My family have no business with the local people. If you no get money, spirits is sent to you. Make you face your full up to where you will face your back for my children. Make another one who no happen again. Shaping out your name.